Et coucou, bienvenue sur ma chaîne dans une nouvelle vidéo. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi 22, 23, je ne sais plus. Je ne sais pas quelle heure il est, je vous reprends que maintenant. Je viens à peu près de ranger ma chambre parce qu'il y en avait bien besoin. Bon, même mon lit, il est juste comme ça, hein, parce que je ne le fais plus. Avec le cododo, c'est la catastrophe. Bref, aujourd'hui, mon programme de la journée, je vais vous montrer, je dois recevoir quelque chose pour la future maison. Oui, encore. Et là, je vais m'apprêter à faire une vidéo, tout simplement, parce que j'ai une boutique qui m'a envoyé des bijoux en... c'est pas en plaqué or. C'est tout simplement en acier inoxydable. Donc ça sera pour mes filles. Moi je vais en faire la vidéo. Mais ça sera pour les filles. Et je vous le dirai du coup dans la vidéo. Parce que moi je ne porte plus que du plaqué or ou de l'or. Donc voilà. Je vais faire avec grand plaisir cette vidéo. Mais ça ne sera pas pour moi. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Parce que Lola est en train d'endormir Liana dans la poussette. Et Léna, comment vous dire qu'elle est malade. Plus. Ça ne guérit pas. Elle a une toux d'enfer. Le nez qui coule toutes les 3 secondes. Ça coule. Il faut la moucher. Elle a le nez tout rouge. D'ailleurs je vais lui monter la crème pour aller lui mettre de la crème après. Voilà, c'est une catastrophe. Mais clairement, les dents, ils sont pour quelque chose. Donc, c'est pas grave. Et ma tenue du jour aujourd'hui, tout simple. Donc, jean que j'ai reçu de Shane. Chaussettes noires, on s'en fout. Ça, c'est ce que j'avais acheté. Franchement, c'est un truc comme ça, là. Hop. Je l'avais acheté il y a 2 ans sur Shane. Voilà. Et un petit gilet que, ma foi, ça fait très longtemps que j'ai. Voilà. Tenue du jour, toute simple. Et maintenant, je vais tourner. Et je vous reprendrai tout à l'heure dans la journée. Aujourd'hui, ça sera pas un gros vlog de 20 minutes. Je vous le garantis, ça c'est clair. Allez, à plus tard. Bon, ça y est, en compagnie de Chipounette, biberon sec, elle a tout bu. J'ai reçu mon colis de Onatera. Tout simplement, c'est des flacons en verre. Par contre, j'ai pas reçu mes étiquettes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vlogger aujourd'hui. Je vais vlogger demain. Parce que, de toute façon, mon vlog d'aujourd'hui a été très court. Et demain, il sera pas très long non plus. Donc, au moins, je vous aurai mis sur 2 jours. Donc, après, je vais vous faire voir les flacons quand elle sera endormie. Parce que là, on profite un petit peu du câlin. Et les étiquettes, je vous les montrerai, donc j'ai commandé sur Etsy, mais je ne les ai pas reçues, normalement je devrais les recevoir demain. Par contre, je suis à la recherche d'une étiquette pastille de lave-vaisselle et sel pour le lave-vaisselle. Si au cas où il y en a qui confectionnent ce genre d'étiquettes, parce que clairement je pourrais les faire, mais je ne les fais pas. Et c'est pareil, je cherche une personne, parce que ça encore une fois je pourrais le faire avec la silhouette, mais clairement j'ai pas le temps, donc je préfère payer quelqu'un. Je voudrais les étiquettes sel, poivre, ail, persil, les classiques en fait, de toutes les épices que j'ai à la maison. Mais des petites étiquettes en fait je voudrais pour mettre sur mes petits pots, ou alors des stickers, mais j'aurais préféré étiquette blanche, vous savez, étiquette blanche où ça fait en haut un trait, en bas un trait et le mot, voilà. Mais je vous montrerai ce que je veux demain. Si au cas où il y en a une qui les personnalise, je serai preneuse, parce que clairement j'ai regardé sur internet, il y en a plein qui le font, mais sur les 30 étiquettes que vous allez acheter, il y en a que 10 que moi j'ai besoin, et il y en a plein d'épices qu'il n'y a pas. Donc autant que s'il y a une personne qui les fait sur mesure, je serai preneuse, voilà. Parce que clairement je ne vais pas m'aventurer là-dedans, j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire. Et la silhouette va être en carton dans pas longtemps, donc comment vous dire que là c'est pas possible. Donc voilà, au cas où s'il y a quelqu'un qui passe par là, je serai preneuse. Voilà, bon bah écoutez, moi je vous montre tout à l'heure le colis. Une fois que je vous fais voir le colis, après je vais faire mon montage. Je clôturerai là pour aujourd'hui le vlog et je vous reprendrai demain un petit peu pour vlogger un tout petit peu.
coup, finalement, j'ai décidé, je vous fais bouger un peu, le vlog, il va durer qu'un jour, hein, parce qu'après, il va durer trop longtemps. Donc demain, je vous revlog et vous l'aurez un autre jour. Voilà, vous l'aurez vu, je vous ai mis en accéléré, j'ai fait les croquis. Mon pan de mur est gris, donc ça, c'est mes tables de chevet que j'ai. Ça, c'est les lampes que j'ai achetées, que je vous avais montré dans mon haul Action. Je vous la remets en petit i. Ici, c'est mon lit, donc il y aura... Alors là, moi, j'ai fait en marron, mais en fait, ça va être en beige, des coussins gris, un blanc... Là ici ça sera tout simplement, ça sera des draps beige. Ici je vais changer mes tapis, donc ça je ne les ai pas achetés encore. Ici il y aura une composition, il y aura des cadres où il va avoir marqué monsieur, madame, donc ça je ne les ai pas encore commandés. Ici il y aura un cadre avec une femme de dos que j'ai trouvé sur Shein aussi, que j'ai pas commandé encore mais qui est trop beau. Et ici voilà je mettrai des bougies, des pots, alors... J'ai fait tout en noir, mais en fait les cadres, lui sera noir, mais ceux-là ils seront soit blanc, soit bois, c'est ce que j'ai marqué ici. Là ça sera un diffuseur, mais je ne sais pas lequel je mettrai, puis les plantes, voilà. C'est vraiment pour vous montrer ce que ça va donner. Sur l'autre pan de mur, donc là j'ai ma baie vitrée, donc il y aura des rideaux, donc là vous les voyez marron parce que j'avais pas de beige, mais il y aura des rideaux beige. Et je pense qu'il n'y aura pas de rideaux au milieu, voilà, je vais juste mettre des doubles rideaux beige. Ici c'est une étagère qu'on m'a trouvée, que je vous montrerai, donc ici il y aura ma coiffeuse avec le miroir pareil qu'on m'a trouvé. Ça c'est les bougeoirs, vous savez que j'ai acheté chez Action, donc un de chaque côté. Et là je vais mettre des étagères blanches, vous savez dans mon atelier avant, vive les Latou, il y avait des étagères blanches où j'avais tout mon scrap, les encres etc. Et ben du coup je vais en mettre quelques-unes, alors je ne sais pas combien, par dessus, comme ça je me ferai une petite déco. Et alors après le coin télé et tout je ne vous l'ai pas mis. Par contre après ça ça va être ma porte d'entrée. Je vais mettre tout simplement mon porte-manteau que j'ai dans ma chambre. Ici on va acheter un dressing, donc il y aura un côté Cédric, un côté moi. Et je pense la penderie, clairement vu le nombre de linge que j'ai, ça sera ma penderie. Et ici je mettrai mon étagère que j'ai dans ma chambre où il y a déjà les chaussures. Donc ça c'est le côté du lit, pour que vous compreniez, à chaque fois j'ai fait le lit plus les tapis. Donc ça c'est du côté de la porte d'entrée. Et ici j'achèterai un pouf rond couleur beige, voilà, parce qu'en fait ma chambre va être dans les couleurs gris, parce qu'il va avoir un mur gris. Au pied du lit, tout simplement je vais, hop, je l'ai mis quelque part, je ne sais plus où, vous voyez, voilà, ici au pied du lit, tout simplement je vais mettre ceci, hop, pour vous montrer, c'était mon... Comment ça s'appelle ? Le pouf de rangement, en fait, je vais le mettre à mon lit au pied. Comme ça, je vais mettre tous mes pilou-pilou à l'intérieur. Donc voilà, aujourd'hui, c'était séance. J'ai fait les croquis en accéléré avec vous. Spécial dans ma chambre. Alors par contre, ma salle de bain, clairement, je ne vous montrerai pas. Hein, parce que ben, c'est une vieille salle de bain et je pense pas faire grand-chose dans la salle de bain. Donc voilà, ça, c'était ça. Et prochaine fois, je ferai une partie, tout simplement, où il va avoir, vous savez, mon meuble dans la salle de billard. Donc ça, je vous le montrerai plus tard. Et là du coup je vais vous montrer. Donc c'est ce colis, voilà, que j'ai reçu de cette marque-ci. Et c'était très bien emballé, hein, je vous montre. Alors vous ne ferez pas attention à tout ce qu'il y a tout autour. C'était emballé comme ceci. Vous voyez, c'était encore emballé là-dedans. Et c'était tout simplement encore emballé à l'intérieur dans des paquets. Donc là j'ai la facture. Je vais vous montrer ce contenant ici. Et celui-ci, sachant que vous voyez, tout simplement il y en a un ici, il y en a un deuxième et un troisième en grand ici. Donc en fait j'ai acheté ces contenants tout simplement pour mettre liquide vaisselle, pour mettre le savon dans la cuisine et dans ma salle de bain, pour mettre mon shampoing, le gel douche et mon après shampoing, tout simplement. Donc le petit que je vais vous présenter et les étiquettes, je ne les ai pas, donc quand je les recevrai je vous montrerai ce que ça donne. C'est tout simplement des contenants en verre et clairement c'est la boutique le moins cher où je les ai achetés, c'est celle-ci. J'ai cherché de partout, non c'était trop cher. Donc du coup voilà, ils sont en, je dirais, marron. Donc ça c'est du verre. Donc celui-ci c'est un 250 ml. Donc ça sera, je suis désolée quand je vous dis qu'elle est malade, ça sera pour mon après shampoing. Et du coup pour la cuisine, comme je vous ai dit, et pour mettre dans ma salle de bain, je les ai pris en 500 ml. Voilà, ils sont énormes. Et donc là il y aura l'étiquette devant, mais quand j'aurai les étiquettes on les collera ensemble, enfin, ou en accéléré. Mais franchement trop joli. Alors je ne voulais pas du tout les acheter en plastique. Par contre je pense que si les étiquettes, elles sont vraiment très belles quand je me fais livrer, donc normalement ça devrait être demain, je pense que je vais acheter tout simplement des flacons pour les enfants mais en plastique. Par contre pas cette couleur transparent et c'est tout, parce qu'en fait sur la même boutique ils les vendent, les transparents en 500 ml.
Et voilà, en plastique transparent tout simplement. Mais voilà, j'attends de recevoir les étiquettes, parce que si les étiquettes me plaisent vraiment, et ben j'achèterai pour les enfants. Sachant que là il me faudra pour le savon, pour les pépettes, il me faudra shampoing, gel douche, plus à la rigueur un autre pour les shampoings, les gel douche des garçons. Quoique, ouais, je sais pas, on verra pour ça. Mais je pense que voilà, si les étiquettes sont jolies, je recommanderai. Sachant que cette marque là, Onaterra, c'est arrivé très vite. Je crois que ça a été expédié le jour même et je l'ai reçu deux jours après en colissimo. Donc franchement, top, top, top. Et vous voyez, ça ronchonne, hein, mais c'est les joies. Bref, j'ai fait mon montage de Athénaïs, mais ça vous l'aurez déjà vu. Donc ça c'est bon, je l'ai même mis sur YouTube. J'ai fait la miniature, je l'ai programmé, j'ai tout fait. Voilà, et pourtant il est 4h-20 quasiment. Et puis voilà, c'est pour ça que je vais vous clôturer maintenant. Et je vous reprendrai demain en vlog que vous aurez sûrement dimanche. Dimanche ou lundi, je ne sais pas. Vous verrez bien quand vous aurez ce prochain vlog. Je vous fais des bisous. Merci de l'avoir regardé, celui-ci. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.